Victoire de Monaco dans le choc face à Marseille 3 buts à 2. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce choc Monaco-Marseille. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Monaco s'impose dans le choc 3 buts à 2. Franchement, on a vu une très belle équipe de Marseille, notamment en première mi-temps, une équipe de Marseille qui a rapidement ouvert la marque avant la première minute, les amis. Ils ont rapidement ouvert la marque. Une équipe de Marseille qui a pressé haut, qui allait chercher Monaco haut. Sauf que Marseille a péché défensivement, notamment le gardien de Marseille. Sur les trois buts, je pense qu'il est presque coupable sur deux buts. Il est presque coupable sur deux buts. C'est inadmissible de prendre les buts qu'il a pris aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que le gardien de Marseille n'a pas fait un bon match. Aubameyang, les gens jugent Aubameyang, mais Aubameyang, les amis, lorsque les ballons n'arrivent pas sur lui suffisamment, c'est compliqué de faire la différence. On l'a vu. Lorsque Marseille avait le ballon, regardez le premier but de Marseille. Ça part d'Aubameyang, c'est lui qui fait la passe. Donc, lorsqu'il est alimenté, il crée le danger. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour Aubameyang. C'est juste qu'il n'est pas assez alimenté de ballon. Mais globalement, j'espère que Gattuso va réveiller ses troupes. J'espère que Marseille va se relever parce que pour moi, ils ont l'effectif pour vraiment jouer l'Europe, pour ne pas dire le titre. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur ce match et si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.